Quel bonheur de te retrouver pour une nouvelle vidéo et surtout pour ta série préférée. Le meilleur gardien du monde, le meilleur défenseur central et le meilleur latéral gauche et forcément le latéral droit. Alors pour mon numéro 7, il est français. Je veux bien sûr parler de Christophe Jallet. Non, toujours pas, non. Il faut que j'arrête avec ces blagues à deux balles. C'est nul. Non, il est français en effet. C'est Djibril Sidi Bé de Monaco. Formé à 3, passé par Lille. Champion de France avec Monaco. Ce qui me choque chez lui, c'est son endurance. Il a un coffre, mon pote. Ah mais lui, ah, il peut te faire un marathon sans problème, quoi. Hein, c'est pas comme Alex de Bodytime. Hein. Avance-toi, Loulou. Il est très rapide et puis aussi, il est très polyvalent. Il peut jouer à gauche comme à droite. Ah, ça lui pose pas de problème. Lui, il s'adapte. Je suis sûr, il pourrait même jouer gardien s'il veut. Titulaire en équipe de France. Après, c'est vrai que défensivement, il a certaines lacunes. Hein. Mais en même temps, comme beaucoup de latéraux. Et pour mon numéro 6, il joue en Angleterre, à Arsenal, Bellerin, 22 ans. Au niveau du palmarès, alors, comment te dire? Ben, il a deux coups d'Angleterre, voilà. En même temps, c'est normal, il joue à Arsenal. Hein. Ils sont pas trop réputés pour gagner des titres, Arsenal, hein, sinon ça serait. Tu vois, il est plus bon défensivement qu'offensivement. Il apporte offensivement, je dis pas le contraire, hein, mais c'est pas. Moi je trouve pas que ce soit exceptionnel non plus. Hein. Mais tu vois, c'est un très bon latéral qui sait d'abord défendre. Il va plus rentrer dans la surface pour te faire un centre en retrait, tu vois ce que je veux dire? Il va pas te faire un centre du point de corner, tu vois ce que je veux dire? Ça fait deux fois que je vois, tu vois ce que je veux dire? Ça commence à être chiant. Hein. Numéro 5, il est encore espagnol. Putain, ils font chier ces espagnols, merde. Il joue à Chelsea, il a 27 ans. Il a gagné une C3 de championnat d'Angleterre. Il est passé par Marseille, passé par Osasuna aussi, tout à fait. Mais non, mais en fait, j'avais pas dit qui c'était. Bon, bah, t'as compris, c'est Azpilicueta. Voilà. Alors, ce mec, franchement, il est exceptionnel. Il est bon de partout. Tu fais n'importe où. C'est comme Sidi Bé. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, et il peut jouer défenseur central. Je suis sûr. Tu le mets avant-centre, il va marquer des buts. Numéro 4, Kyle Walker, l'anglais, de 27 ans, qui a joué à Tottenham et cet été, il est venu où? Bah, à City. Au niveau des titres, ça va aller vite. Zéro titre. Même pas une Coupe d'Angleterre, même rien. Zéro, il a rien gagné. Ça fait des années qu'il est bon en Angleterre. Il a déjà été élu meilleur latéral droit d'Angleterre. Ouais, c'est pas mal quand même, franchement. J'aime bien ce joueur, tu vois, parce qu'il est offensif, il est costaud, tu vois. Enfin, je le passe pas comme ça, tu vois. Et sur le podium, bien sûr, numéro 3, hein, Kimmich du Bayern de Munich. Alors là, 22 ans, il est exceptionnel. Tu vois, pourtant, c'est un tout petit joueur de rien du tout, t'as vu. Mais il est pas spécialement rapide, hein. Il est pas spécialement rapide, mais il est toujours bien placé, tu vois. Je sais pas comment expliquer. C'est vrai que je sais pas comment expliquer, mais il est tout le temps bon. Il marque des buts, il centre. Bah pareil, il peut jouer à droite, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer au milieu. Il est polyvalent quoi, mais franchement, c'est un très bon joueur. Et quand tu le vois comme ça, tu te dis ouais, bon. Franchement, il est pas impressionnant quoi. Ah, tu le vois sur le terrain, mon pote. Attention, hein. Et pour la place du numéro 2, bah forcément, un Parisien, Daniel Alves, qui est passé par Séville, Barcelone, 6 titres en Espagne, 1 titre en Italie, 2 Ligues des Champions, 2 Coupes Europa, 34 ans. Tu vas me dire à 34 ans, c'est pas mal. Quoi te dire? Enfin, tu peux te dire avant, il joue au Barça, la meilleure équipe du monde et tout, mais même au Barça, il était indiscutable. Hein, il a eu des coups de mou, ok, d'accord, si tu veux. Après, il part où? Il part à la Juve. À la Juve, gros, tout le monde disait, bah, il est en pré-retraite, il est mort et tout. Même moi, hein. Sincèrement, même moi, je disais ça. Sincèrement, il nous a prouvé le contraire, quoi. Tu vois, deux passes décisives en demi-finale de Ligue des Champions contre Monaco. Contre Porto, c'est lui qui marque. Enfin, il a été exceptionnel en Ligue des Champions, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, à 34 ans, il a encore un... très haut niveau. Et c'est une très bonne recrue pour le Paris Saint-Germain. Mais tu dois te dire, mais c'est pas possible. C'est qui le premier? C'est de Vendetta Alves. Pour moi, c'est Dani Carvajal. Oui, je sais, encore un joueur du Real. Après Ramos et Marcelo. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein, s'ils ont les meilleurs, c'est pas de ma faute. Je suis pas pro Madrid.
Je m'en fiche de Madrid, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je suis les joueurs qui sont bons. C'est tout. Donc, 25 ans, un championnat d'Espagne, 3 Ligues des Champions, 1 euro espoir. Mais voilà, il est très bon. Il est très bon, Carvajal, tu vois. Il, pareil, il a un coffre, tu vois. C'est... Pouah, laisse tomber, il fait des allers-retours. Il est tout le temps dangereux, tu vois. Le milieu gauche, il est en difficulté, tu vois. Il dit, putain, il est casse-couille, Carvajal. Il faut toujours que je revienne. Et défensivement, il est bon. Tu vois, il fait des erreurs comme tout le monde, hein, de toute façon, hein. Mais, pour moi, Carvajal, c'est le meilleur. C'est tout. Quoi? Tu veux plus de vidéos? Casse-moi la barre des likes, d'accord? Et cassez-moi la barre des abonnements, sa mère, hein. Que la chaîne se développe un peu, tu vois. Si elle se développe, eh ben, je pourrais faire plus de vidéos. Voilà, tout simplement. Plus vous êtes nombreux à me suivre, plus je ferai de vidéos. J'ai des idées, il n'y a pas de problème là-dessus. Et oublie pas aussi, tous les mardis, une vidéo. C'est un truc de fou. Un truc de fou. Quoi qu'il arrive, tous les mardis, une vidéo. Pense à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, au nom de Rafaisho. Tout est dans la description. Et bien sûr, en description, il y a tous les liens des chaînes YouTube de mes potes youtubeurs. Il me reste plus qu'à te dire de t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Rafaisho pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble et faites-moi rire.